Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 2 Open Beta. Donc je vous préviens, je suis ultra nul, comme à chaque fois je vous le dis. De toute façon, vous voyez ma chaîne, il y a très très peu de Call of sur ma chaîne. En gros, il y a une vidéo, j'allais dire une par an, mais même pas, parce que je l'achète même pas forcément tous les ans. Je l'ai acheté l'année dernière. Mais bon, j'ai quasiment pas joué au multi, hein, donc voilà, vous vous rendez compte à quel point c'est utile pour moi d'acheter Call of. Et donc, ce qu'on va aller regarder, c'est les nouveautés. Et donc, dans les nouveautés, il y a ce mode-là, par exemple. Il faut prendre un paquet et le conserver, ou alors éliminer les joueurs de votre équipe qui ont le paquet. Et quand vous mourrez, en fait, alors soit vos collègues vous réaniment. Soit c'est Terminado, en fait. On peut pas vous. Vous pouvez pas réapparaître. Donc je pense qu'on va faire ça. On va tester un truc nouveau. Donc je vous préviens, je suis ultra nul. Je vais couper le micro de ma manette. Normalement, j'ai coupé le chat vocal du jeu. Donc logiquement, il devrait pas y avoir de problème. On va chercher une partie. Donc on est sur PS5. Et aujourd'hui, du coup, je teste pour la première fois le boîtier d'acquisition que j'ai acheté là pour les captures PS5 qui devrait donner quelque chose de bien mieux. Donc, écoutez, je teste et puis après on verra s'il y a des réglages à faire, s'il y a des choses à changer. Bah, je le saurai pour la prochaine fois, mais là déjà, ça devrait vous donner quelque chose de mieux que. Je vais baisser un peu le son dans mes oreilles. Ça devrait vous donner quelque chose de mieux que la dernière vidéo que j'ai fait sur PS5 en termes de qualité. Voilà, donc maintenant. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis ultra nul. Donc, du coup, on va avancer tranquillement. Je sais pas où sont partis mes collègues. On est sur une zone vachement découverte, on va faire attention quand même. Ah ouais. Alors vu le nombre qu'ils sont, je suis dans la merde. Hein. Voilà, bon c'était sûr, j'étais tout seul. Je voulais essayer d'aller réanimer un de mes collègues, mais là bon je me suis dit je suis tout seul, ça va arriver, voilà, ça va arriver dans tous les sens. Il est arrivé dans mon dos. Tant pis pour moi. Ça me fait penser un peu à Counter-Strike avec les bombes. Oh merde, putain, je l'ai vu en plus. J'ai pas eu le temps de. Ah, ça y est, on en a un qui campe là. Par contre, pour réanimer les gens. Ouais, là, c'est sûr, il était tout seul encore. Ça lui est arrivé dans le dos, donc vous voyez, ça peut s'enchaîner assez vite, hein. En plus, là, je suis arrivé sur une partie en cours. Donc, ouais, ils ont perdu 5-0. On a perdu 5-0 puisque c'était une partie en cours. Donc, là, c'est allé assez vite. Après, moi, j'en ai fait une hier soir. J'en ai juste fait une. Et, vous voyez, je suis arrivé en cours de partie. J'arrive à être troisième quand même, hein.
Donc c'est qu'il y avait une vraie différence de niveau entre les deux équipes. Bon, ce qui est bien, c'est que comme ça vous a permis de voir ce mode rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter le salon. Et on va aller ici. Donc là, c'est deux équipes qui se relaient pour faire exploser ou désamorcer une bombe. Et il n'y a pas de réapparition non plus. Comme ça, on va aller là-dedans. Ça va permettre de voir deux nouveautés en une seule vidéo sans faire trop long. C'est pas mal. En plus, finalement, j'ai pas été si catastrophique que ça sur la première. Attendez, je vais me déplacer un petit peu le micro. Pardon pour vos oreilles. Voilà, donc ça aura pas été si catastrophique que ça, du coup, la première partie. Donc, je suis plutôt content de comment ça se déroule, hein. Parce qu'après, c'est pas du tout, vous le savez, hein, même quand je joue à Battlefield, c'est pareil, c'est ce que je vous dis. C'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue. En plus, vous voyez, là, il y a un mec à la souris, donc ça veut dire qu'il y a du crossplay. Ah bah non, non, c'est qu'une bêta PS, donc ça veut dire qu'il y a un mec qui a branché clavier souris sur sa Play. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire normalement aussi. Pour ceux qui jouent sur un bureau et tout, bah vous pouvez faire ça. Brancher clavier souris. Je pense que je vais faire un cut là parce que c'est un petit peu long. Voilà, on se reprend là. On va garder ça. On va aller par là. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on se casse? On fait du 2 contre 2 là. Allez, je prends le risque. Allez, bien, je prends le risque d'essayer de désamorcer la bombe. C'était sûr que j'allais me faire éclater, mais... Ah, c'était sûr que j'allais me faire éclater, mais bon. Et allez, je me suis dit, je prends le risque, on verra bien. Là, j'ai mis un réflexe. On se retrouve à 3 contre 3. C'est compliqué parce que forcément à un moment ça va arriver. Attention, attention, bombe ennemie sur Alpha. Domine hostile dans la zone. Il ne reste plus que vous. Bonne chance. Merde. Bah là, je suis pas bien, il reste plus que moi.
En plus, je connais pas la map. Ah putain. Oh, il m'a mis un coup de puf, un coup de pompe là. Ils étaient deux de toute façon, alors. Regardez, il y a un personnage avec du vitiligo. Bah, j'ai cette maladie de peau, moi, tiens. Après, moi, je suis pas bronzé comme ça à la base, donc ça se voit beaucoup moins, mais. Mais l'été, ça se voit. Il y a des fois, je mets des tirs réflexes, là. On a désamorcé la bombe. On a remporté la manche. Continuez comme ça. Bah, je sais pas ce qu'ils ont fait, là, parce qu'ils ont posé la bombe et puis ils se sont planqués, on dirait. Recherche et destruction. Changement de côté. Maintenant, on va devoir poser la bombe. Ah putain, je l'ai vu en plus. C'est juste que je vise très mal. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même regarder avec les caméras, on peut regarder ce qui se passe. Attention parce que là on avance en groupe en vrai, mais pourquoi il se barre lui? Oui. Con quoi. Ah, je sais pas pourquoi il s'est barré, on avait à peu près vu que la zone était libre et il s'est barré. Recherche et destruction. Trazar, placez une charge sur la cible et faites tout sauter. J'ai pas bien compris pourquoi il s'était barré le gars. Bon, on a vu que la zone était propre et. Gagné. Enfin, on n'a pas posé de bombe, j'ai juste l'impression qu'on a buté tout le monde. Changement de côté. Recherche et destruction. Trazar, établissez un périmètre autour des objectifs. Thank you.
J'ai vu quelqu'un là-bas. Ouais, ça m'a pété à la gueule. Bon, comme d'hab, hein. Je suis dernier. Mais bon, voilà, c'est pour ceux qui peuvent pas tester la bêta, là, vous montrer un peu ce que ça donne, ces nouveaux mods. Après, il y aura une bêta ouverte tout support le week-end prochain. Donc Xbox, PC, PS. Après là, ça avait commencé le 16 pour ceux qui avaient précommandé, ce qui n'est pas le cas. N'est pas mon cas, j'avais pas du tout précommandé, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo que maintenant, parce que la bêta commençait à partir du 18 pour les gens qui n'avaient pas, du 18 à 19h pour les gens qui n'avaient pas précommandé, et comme j'ai la PS5 et la Xbox, je me suis dit on va tester ça, et comme en septembre j'ai pas beaucoup de trucs de prévu à vous faire, on va se tester ça, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne, et on va pas attendre la version Xbox, on va le faire sur la PS5. En plus, comme ça me permet de tester le boîtier d'acquisition. Après, j'ai déjà tourné une vidéo sur Xbox avec, mais c'est une vidéo que vous n'avez pas encore vue. Et je sais pas à quel moment vous la verrez. Je peux pas vous dire. Pour l'instant. Sûrement fin septembre, hein, je pense. Puis après, en octobre, on va commencer à attaquer Mario et les lapins crétins. Enfin, il va y avoir un peu de lourd. Hein. Au mois d'octobre. Alors après, au mois de novembre, avec les God of War et tout, là. Laisse tomber. Ça s'arrêtera plus. Recherche et destruction. On a encore une manche. D'accord. Notre drone de brouillage est actif. Notre drone survole la zone. Moi, j'ai un truc avec L1 R1, mais je sais pas ce que c'est. Wow. Tranquille. C'est un de mes collègues. Oh. Et quoi, et pourquoi il veut que je confirme quoi que ce soit? J'avoue que je sais pas trop à quoi ça sert le point là. Plus que 60 secondes. L'ennemi a posé une bombe sur Bravo. Je l'ai vu là-bas. Bon, je vais crever, mais on va tenter quand même. Manche perdue, concentrez-vous sur la prochaine. Changement de côté. On va pas rester à se départager, hein. Ça tire fort par là. Ça
Ça arrive là-bas, j'ai vu quelqu'un. On a le dispositif. Plus que 60 secondes. Drone ennemi actif. Je suis vachement à découvert. On pose une bombe sur Bravo. Plus que 30 secondes. Dispositif en place, le compte à rebours est lancé. Bon. Victoire. Moi je suis dernier, hein, ça c'était sûr. Mais c'est vraiment pas le genre de truc auquel je joue, donc automatiquement. Ah, on va quitter le salon, écoutez, on va s'arrêter là, on va pas chercher à faire plus long que ça, on passe déjà les 20 minutes, parce qu'après, c'est des modes. Que vous connaissez déjà, donc on va pas aller plus loin. Alors après, il y a toujours, comme d'habitude, on peut personnaliser les trucs, changer ses armes, changer son opérateur. Il y a une boutique, comme d'habitude. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo sur le jeu complet, sur la campagne solo, etc. Parce que je sais pas si je vais l'acheter. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous.